Bienvenue à la maison familiale rurale de Bonne pour... Eh, c'est pas bon là, il est pas dans le cadre. Alors, bienvenue à la maison familiale rurale de Bonne pour cette présentation des formations et des accueils que la maison propose. Nous allons tout de suite interroger un professeur. Nous voici maintenant au sein de la MFR avec un professeur. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Lapin, je suis professeur en aménagement du paysage. Donc je vais vous présenter la formation. Donc elle se passe en deux temps. Dans un premier temps, il y a la partie travail, où c'est qu'on se trouve en entreprise. Donc ça permet d'avoir une très bonne insertion professionnelle et de comprendre les enjeux de la formation. Et dans un second temps, donc, on sera à l'école avec des cours de matière professionnelle et générale. Alors maintenant, nous allons voir l'interview de deux jeunes. Eh bien, voici les deux élèves qui vont nous présenter la vie de l'AMF. Oh, le cadre, là! Ça fait déjà deux fois, allez, dépêche-toi! T'es Dieu! La vie à la MFR, je vais vous en parler. Moi, depuis que je suis à la MFR, ça fait actuellement 3 ans, j'entends ma troisième et dernière année à la MFR. Je trouve que c'est une vie de famille, je trouve la MFR enrichissante. Au niveau des repas aussi, à toi. Ouais. Bah, moi, vu que je suis interne, c'est tellement super, il y a plein d'animations, des films, des jeux. Après, quoi dire d'autre? Bah, rien que pour la reconnaissance de végétaux, on a un parc magnifique, on a les noms marqués dessus. Franchement, on fait beaucoup. N'importe quoi. Au niveau des sorties, oui, les sorties pédagogiques, je trouve qu'on en fait beaucoup, aussi bien en musée, on est déjà allé visiter des chantiers que les paysagistes avaient fait. Là, bientôt, on va visiter la piscine naturelle de Combloux, alors ça, je trouve très intéressant, même avant d'y aller. Mais quoi dire d'autre? Bah, au niveau des profs, ils apprennent vachement de choses parce qu'ils ont été souvent en entreprise. Les profs, même en cours généraux, on apprend beaucoup de choses. Je me rappelle de plein de choses grâce à eux. Eh bien, après cet échange entre ces deux élèves, nous allons conclure pour quitter cet établissement fort accueillant. Comme vous avez pu le voir dans ce reportage, ce lycée se situe dans un beau cadre de vie et surtout vous serez bien encadré. Si vous sortez du droit chemin, vous serez vite recadré par les professeurs. Comment je peux présenter ce lycée alors que je ne peux pas l'encadrer? Oh Romain, attends. Tu sais, grâce à cette formation, un jour tu seras peut-être cadre supérieur.